Voici le printemps, la douceur du temps nous fait des avances. Partez mes enfants, vous avez 20 ans, partez en vacances. Vous ferez agile sur l'onde tranquille, les barques dociles, vos bras des amants, de fraîches guinguettes, des figues bien faites, des frites sont pour être. Et y a du vin blanc. Oh, ça se fait quand même. Donc, pour en venir à mon explication, il y a plusieurs verres. Plusieurs verres. Voilà. Et puis, chose importante, il faut annoncer quel est le vin que tu sais. Oh, ça c'est facile, hein. T'as qu'à lire l'étiquette. Et puis tu annonces supérieur 10 degrés. Non. Oh. Tu glisses ça doucement. Délicatement, dans le tuyau de l'oreille du client. Mais voilà. Pourquoi les autres, ils ont pas. Ils ont pas le droit d'entendre. C'est l'usage. Oh. C'est voilà. Pas une histoire. Hein. Eh ben, c'est comme ça. Parce que t'arriverais avec ta bouteille. Et puis tu crierais. Tendez vos godets, Vladenos Taganem, grande cuvée. Comme ça, tout le monde serait au courant tout de suite. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Oh. Et les plats. Tu les présenterais comment, toi, hein? Eh ben moi... À droite ou à gauche? À droite ou à gauche, moi je prendrais le plat, puis je le mettrais au milieu de la table. Et puis comme ça, tout le monde y viendrait servir. Eh ben non, tu les présentes à gauche, et dans un certain ordre. Les dames d'abord, en commençant par la plus âgée. C'est très agréable, comme la dame qu'on sert en premier. Parce que comme ça, tous les autres, eh ben ils pensent, Dieu, v'là l'ancêtre. Et puis tu finis par le maître de maison. Ah ben lui, au moins, il a l'avantage de manger froid. C'est pas la peine d'être le patron. Alors, comment ça s'est passé? Ben... Pour s'être mal passé, ça s'est plutôt bien passé, mais pour s'être bien passé, ça s'est mal passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que ça aurait pu mieux se passer, mais ça aurait pu aussi se passer plus mal. Quand t'auras fini de parler par énigme, hein? Bon, ben, c'est pourtant simple. Ça s'est passé du mieux possible dans le plus mal, le moins mal dans le moins bien, et assez mal dans le très bien. J'ai pas compris. T'as encore rien compris. Ben, disons que ça s'est passé ni bien ni mal. Ouais. Ça, voilà. Tu t'es flanqué par terre avec le miroton. Non. Pas par terre. Évidemment, avec deux animés comme ça, il n'y a pas de miroton. Il n'y a pas de miroton. Il y a eu un truc quand même. Hein. Au début, il y a eu un petit incident. Le maître chef d'hôtel m'a regardé. Oui, il t'a dit que tu l'as fiché mal. Pas du tout. Il m'a dit, ça va, vous mettrez des gants pour servir, n'est-ce pas? J'avais pas de gants. Alors je lui ai dit, j'ai pas de gants, monsieur. Alors là, il fait là qu'il t'a viré. Non. Oh, oh. Il m'a dit, alors il a répondu, écoutez, c'est bien embêtant, vous pouvez pas servir sans gants. Donc, ça fait rien, vous laverez la vaisselle. Alors? Et là, toi, t'as pas voulu? J'ai accepté, j'ai lavé la vaisselle. C'était le même prix. Oh, bah, comme? Ben oui. Il t'a pas viré quand t'as dit que. Il t'a pas viré? Non, il m'a pas viré. Oh, si c'était le même prix. Ben, qu'est-ce que tu. Des gants blancs. Tu te rends compte, des gants blancs? Alors? Moi, je voulais. Ah, mais t'arrêtes de flipper, moi. Je voulais pas faire. Enfin, des gants blancs, je pouvais pas savoir, moi. Et d'autant qu'en plus, des gants blancs. Oh, pas de potage. Oh, ils étaient plutôt noirs, hein? Ah bon, pourquoi? Eh ben parce qu'ils avaient tous trempé un peu les pouces dans l'assiette, tu comprends? Eh ben ouais! Oh. Alors, t'as fait la vaisselle en habit? Non! Alors, j'ai quitté l'habit et le gilet. Et j'ai fait la vaisselle. Oh! Voilà. T'aurais mieux fait de te mettre en caleçon de bain. Parce que, comme pour être plongeur, eh ben je trouve que ça aurait été beaucoup mieux. Tu rigoles. Alors, bon, et après? T'as eu à manger? Oh oui! Oh oui! Et puis alors ça, c'était bien! Oh ouais! Il y avait des marraines! Des marraines? Oh, mais c'était un baptême alors! Tu m'as dit tout à l'heure que c'était un mariage! Attends,
des marelles, des huîtres. Oh, des huîtres. Des huîtres. Tu m'en as ramené des huîtres. Enfin, je pouvais pas te ramener des huîtres ouvertes dans les poches. Enfin, quand même. Parce qu'elles étaient... Réfléchis. Elles étaient ouvertes. Ah oui. Alors ces gens-là, ils mangent pas les coquilles. Hein. Oh. Ah, ils mangent pas les coquilles. Après, ils ont mangé... Oh, du turbo sauce hollandaise. Sauce hollandaise. Je sais pas ce que c'est, mais ça devait être drôlement bon. Oh, c'était fameux. Puis on avait... Même que j'en ai révancé la saucisse. Ah, et c'est là qu'on t'a viré. Oh, mais t'étais vu, toi, alors. Mais non, j'ai simplement renversé son pantalon de copain. Mais comme ça tâche pas. Oh, mais non, ça tâche pas. Le bouillon gras et la sauce hollandaise, eh ben, il n'y a même rien de mieux pour détacher. Peut-être bien. Et après? Ah, après? Eh ben non, du turbo, tu m'en as pas ramené du turbo. Non, mais tu me vois avec de la sauce hollandaise dans les poches. Mais t'étais pas obligé de prendre de la sauce, mais le turbo, t'aurais pu le prendre quand même. Je pouvais pas. Après? Il y avait du poulet rôti avec du cresson. Oh. Moi, le cresson, eh ben, j'y tiens pas trop, parce que j'aime pas brouter. Mais du poulet, tu m'en as ramené du poulet. Je pouvais pas. Oh, bon, non, quand même, c'est pas possible. Et alors, pour finir, il y avait, devine un peu, du foie gras. Ah, du foie gras. Tu m'en as ramené du foie gras. Bah, je pouvais pas, j'en ai même pas eu pour moi. Ils ont tout mangé à table. Oh, ah, mais ouais. C'est pas vrai. Eh ben ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? T'aurais quand même pu en couper une tranche avant de te servir. Tu sais vraiment pas de tes fouilles. Ah, ouais. Oh là 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 là. Alors t'es sûr que t'as rien ramené du tout? Bah oui, j'en suis sûr, hein. J'ai beau regarder, là, j'en suis sûr, hein. Un bout de pain. Toi, t'as dû t'en planquer quelque part, oh. Et puis tu vas aller te manger en douceur. Mais non! Oh! Mais non, tu vois bien, regarde, j'ai rien, là. Qu'est-ce que t'es égoïste, hein, toi? Oh là là. Enfin. Bon, qu'est-ce qu'on mange? Oh! J'avais pensé à du caviar. Ah! Il m'a pas paru très frais. Alors j'ai pris des œufs de hareng. C'est pas la même chose. Oh, c'est quand même des œufs de poisson. Enfin, on s'en contentera. Eh ben, oui. Mais alors tu vas me servir. Parce que pour une fois que j'ai un maître de l'aile en Afrique, et ben tu veux en profiter. Ah, si ça peut te faire plaisir. Voilà. Et moi alors? Ça fait remarque. On remarque ça, on dit ça aux clients. Oui, mais ah bon, qu'est-ce que je vais manger? Mais dis donc, à tout prix. Tu t'es goinfré hier soir, alors tu peux bien rester à la diète aujourd'hui, hein. Ça se dit pas d'abord. Mais de telle. Ouais. Madame. On boit beaucoup chez vous, hein, mais ils sont rares. Ça se dit pas d'abord. Comment ça se dit pas? Bon. Eh, on n'annonce pas. Oh oui, qui ravit 2013. Ouais. Oh. Il n'y en a pas. Comment il n'y en a pas? Oh. Bon. Ils sont salés, hein, Gouaron, hein. Ah, t'es jamais content. Allez, mettez-moi ça. Oh là 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 là. Et puis alors surtout, hein, attention, hein. Pas de faux col, hein, jusqu'en haut. Parce que c'est pas le banquet des enfants de Marie ici. Madame, ça se dit pas. Printemps, la douceur du temps nous fait des avances. Partez mes enfants, vous avez 20 ans, partez en vacances. Vous
ferez agile sur l'onde tranquille les barques dociles aux bras des amants, de fraîches guinguettes, des figues bien faites, des frites sont